Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you... Ok. Ah bah d'accord. Ça attaque sec. Bonjour pour les gens qui passent en VOD, on est sur la suite bien sûr. Oh la vache. Ok, là je pense qu'on est parti pour un grand moment. La musique. Attends, ils sont sérieux, c'est l'arène de combat? Non mais ils ont fumé quoi? Oh la vache! L'arène de combat qui a lieu dans Nier en fait. Ou dans Drakengard. Ok, allez baston, c'est parti! Ah merde! Alors attention. Pouah, avec la fameuse zik, que j'aime tellement ce thème. Bon, il y a tellement de choses à dire sur ce qu'on a vécu. Mais là, j'avoue, j'ai juste envie de kiffer le combat. Donc, on reviendra plus tard pour parler de ce notre Cersei moment. Et du coup, de finalement, bah oui, ok, tout le monde allume ce pauvre personnage de la mère de Clive et Joshua. Alors qu'en fait, bah juste, elle est pas comme ce qu'imaginaient les gens. Mais après, bah, elle remplit son taf, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire elle est méchante. Point. Et puis, ses motivations sont carrément, du coup, justifiées par son scénario. Enfin, bref, ça se passe très bien. Allez, bourre! Attends, quoi? No! Leave my brother alone! We'll face the consequences. Je l'ai toujours dit. Allez, nouvelle compétence, c'est parti. Donc avec Triangle cette fois-ci, j'imagine. Exactement, une technique qui va pouvoir
Alors, comment c'est écrit, se modifier? Ah, d'accord, je peux maintenir en gros et faire bouger. Et on nous voit d'ailleurs utiliser le machin avec l'ambition de détruire plein de projectiles. Bon, par exemple, je fais ça, quoi. Ah oui, alors le problème, c'est de l'avoir lancé peut-être un peu trop tôt. Avant l'arrivée de toutes les mines. Ok. Bon, c'est pas grave. On se servira de ça plus tard. Le plus important, c'est d'avoir vu comment on s'en servait. Attention, attaque de zone. Et bah, Mute, c'est maintenant. Mais ouais, bon, on peut quand même en toucher deux mots, mais c'est vrai que la séquence avec la maman, j'avais hâte de voir justement ce que ça donnerait. Et c'est vrai que, bon, évidemment que l'inspiration Cersei est là pour le départ de son pitch. Mais en fait, juste, ok, il y a des références qui sont faites fortes à Goth. Mais derrière, le jeu a son identité et raconte ce qu'il a envie de raconter, quoi. Et dans ce qu'il essaye de raconter, si on l'émancipe un petit peu justement de ses influences, bah on se rend compte que juste il le raconte de manière tout à fait honnête, quoi. C'est-à-dire que la maman, bah juste, elle avait un objectif aujourd'hui qui est maintenant défini, elle nous l'a dit. Et puis, bah ça explique complètement le début et l'échange qu'il y a entre les deux en termes d'acting et tout était ouf. La séquence avait l'émotion qu'il fallait, donc non, vraiment c'est très très chouette. Hein. J'aime beaucoup personnellement la manière dont le jeu se raconte. Hein. Après, c'est totalement subjectif. Mais est-ce qu'on peut parler d'objectivité quand on parle de scénario? Je suis pas sûr. Thank you, brother. Hop! Allez, bourre! Alors, est-ce que je peux faire ça, basiquement? Ouah, ça... Ouais, ça pique, ça. Ça pique sale. Ah mince, j'aurais pu le charger, je crois. Allez! Ok, alors cette fois-ci on se bat avec Phoenix et on va faire la phase shoot them up comme on l'a fait dans le début du jeu. Il peut également tirer une salve en maintenant... Ah oui d'accord, là c'est Panzer Dragoon jusqu'au bout quoi. Wouah, génial, putain le Panzer Dragoon triple A, j'aurais jamais cru vivre ça dans ma vie. Alors attention, on va quand même faire l'esquive. Alors je sais pas s'il y a une récompense entre guillemets au fait de réussir bien les esquives. Ah oui, l'attaque chargée, elle a l'air de faire mal par contre. Pour qui connaît ce genre de jeu, ça va vite. C'est normal. Pouah, la zik, la mise en scène, au secours. Ah, les petites esquives. Alors je pense que c'est pas si rapide que ça. Ah là voilà. Tac 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 tac. Voilà. Tain, ta, ta, ta. Putain cette musique. Alors, le problème c'est que j'ai tellement écouté les trailers que du coup je les connais toutes par cœur alors que pourtant j'ai pas fait le jeu. Waouh. Au secours. Allez. Putain, cette séquence, c'est quand même un truc. Hein. Je suis presque déçu qu'on ait pas eu plus le personnage de Dion pour s'expliquer et tout ça. Bon, il a déjà eu pas mal d'expositions, mais... On aurait peut-être mérité encore un peu plus.
avant qu'on entame le combat, comme c'était le cas pour Kupka par exemple. Où vraiment on a pu d'abord l'affronter lui en duel. Peut-être que ce sera pour après. Mais là, vu ce qu'on est en train de lui mettre, j'ai du mal à l'imaginer. Allez, esquive-moi ça! Pouah, ils ont tellement tout donné sur ce jeu quand même, c'est un truc de fou. Ils lui ont tellement tout donné. Si on le prend pour ce qu'il est, c'est quand même un jeu qui réussit beaucoup de choses. Hein. La vache. Ah d'accord, ok. On commence à aller un peu haut là. Allez, allez, allez. On va se soigner parce que là je prends trop cher. Voilà. J'arrive pas à savoir exactement quel est le bon coup à faire entre le laser et les dégâts classiques pour que ça aille plus vite. On va peut-être faire le laser basiquement. Même si j'ai l'impression que l'attaque 5 points là, elle fait trop mal. Allez, hop! Hop! Ok, esquive-moi tout ça parce que là, le laser il pique tellement le sien. Tac, 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 tac! Ça va, j'avais peur qu'on manque de gameplay dans ces phases aériennes. C'est bien qu'elles soient pas trop fréquentes, mais à leur fréquence, c'est pile ce qu'il fallait. Aïe! Ok. Donc là, faut éclater les bouboules! Je suis pas sûr de faire un truc très efficace là. Ok, d'accord. Bah là au moins ça montre un truc, c'est que le laser c'est beaucoup plus fort. Ouais, les tirs simples comme ça, ça vaut pas le coup. Allez, bourre. Ok, laser chargé. Et on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. Tir chargé, c'est bien meilleur. Même ça en soi. Bon, on le découvre un peu tard, c'est pas grave. Oh putain. Le jeu qui sait pas s'arrêter, c'est tant mieux. Allez. Oh, par contre il fait peur là. Ça a pas l'air facile de rattraper ça.
Heureusement, il nous a redonné le heal complet. Parce que j'aurais pas été confiant. Oh, le combat 2 contre 1, c'est fou! Pouah! Oh, la violence! Ok. Ah, l'arène a changé. Oh, la musique. Clive, get behind me. If you're sure. Je suis abasourdi. Je n'en reviens pas. Ces choix artistiques, cette explosion, cette manière de faire tellement FF14 et tout ça là, c'est... Ça me stun mental, je sais pas quoi vous dire. Je suis juste dans le plaisir là. C'est dingue, c'est dingue. Ah mince. Ok, j'ai pu esquiver, je sais pas trop comment j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va achever ce qui a été commencé. On doit pas être bien loin de toute façon. Voilà. Là, le contre qui a fait mal. Les attaques chargées qui sont là, bien sûr. Et qui permettent toujours et encore de faire le taf. Mais au secours! Mais au secours! Oh là là! Là, j'ai vraiment envie d'aller voir le moi enfant qui s'extasie devant la ciné Alexander contre Bahamut et lui dire « Mais mec, mais t'es tellement pas prêt !» C'est un truc de ouf. This is drinking me. We have to stop him. Thank you.
do it, Clive? We can. We will. Together. Mais au secours, et tu joues en plus. Mais non, mais c'est... Attends, juste, on se pose 2 secondes, là. Combien de thunes... combien de budget pour un jeu pareil? La séquence qu'on est en train de vivre, c'est un tel money shot. C'est incroyable, vraiment, de réussir à faire ça dans un jeu pareil. C'est quand même assez inespéré. Et puis, du coup, la fusion des frères et tout, on le sentait venir. Mais là, quand même, elle est plutôt bien exécutée. Donc, assez marquant. J'avoue que là, j'en prends pour mon grade. C'est un vrai plaisir. Alors, nous avons ici des compétences qui sont renforcées. Il peut également utiliser une compétence similaire à l'éclipse du Phoenix. Ah oui, d'accord. Donc, tu peux appuyer sur X pour aller vers l'adversaire carrément. Et on a les détails, évidemment, qui sont donnés ici. Donc là, par exemple... Attends. Alors écoutez la zik, quand même, petit moment marrant. Parce que le thème, alors oui, excusez-moi, du coup, on peut faire la fine bouche sur plein de choses dans FF16. Bon, je pense la mise en scène, ça sera un peu injuste. La bande son est un sujet qui a été beaucoup allumé pour plein de raisons. Et c'est vrai que d'un point de vue instrumentation, on aurait pu s'attendre à des choses beaucoup plus orchestrales et beaucoup moins enregistrées sur, enfin numériques en fait. Et donc là, ça s'entend que c'est pas des instruments de fou. Il y a quelques instruments qui sont crédités. Et là, effectivement, on sent que ça fait partie de ce genre de piste qui peut avoir été faite avec... Avec de vrais instruments, mais par contre derrière, enfin voilà, les thèmes sont vraiment très bons. Je pense qu'un concert de ce jeu, ça va être vraiment quelque chose, et tout ce qui est, on va dire, enrobage musical fonctionne trop bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Soken est quelqu'un qui aime beaucoup les références, et donc à la fois, du coup, tout ce qu'on connaît de FF avec les préludes qu'on a eu et tout ça, mais juste, je me tais et je voulais juste écouter ce thème. On va attendre qu'il revienne, vous allez voir quand il repart. Ah, le combat est ouf. On en reparle quand il y a la phrase musicale. Putain, le combat dans l'espace, quoi, mais s'il te plaît. Tu fais quoi pour ton combat de fin si ça, c'est pas ton combat de fin, en fait? C'est ça la question que je me pose, parce que là, putain, quand même, faut y aller. C'est quoi l'échelle du dessus, en fait? Putain, les attaques sont tellement belles, en plus. Écoutez bien, on y arrive. Ah, et mon thème préféré du jeu là, largement. Pouah là, c'est incroyable, je me tais, désolé, je profite. Ouais, non, c'est fou. En fait, tu le sais en plus que voilà, Bahamut, c'est quelque chose qui est attendu au tournant par la commu. Et c'est vrai qu'il y a un truc où tu te dis, le seul qui aurait pu être aussi dingue, ça aurait été Alexander finalement, qui est vraiment aussi emblématique. Mais alors là, le cadeau pour les fans, le cadeau, mais juste cette séquence en fait, elle justifie qu'on s'intéresse au jeu. Le cadeau est tellement beau, quoi. Ah, alors attends, ça va où là?
finalement, le seul truc qui est un tout petit peu dommage, vu la qualité de ce genre de thème, c'est l'équilibrage son, quoi. Où c'est noyé dans les bruitages, alors que putain, les thèmes sont fous, quoi. Ah putain. Putain, alors, on a la totale. Ok, écoutez. Donc là, vous l'avez, le ta 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 ta. C'est la phrase du thème de Papyrus de Undertale. Voilà, allez, sur ce, on y va. C'est parti. Allez, baston. Oh putain. On va se soigner parce que là je sens mal. Allez, envoie! Ok, allez, on va essayer de le faire tomber. Je sais pas ce que ça va donner. Wow! Oh, le FX de l'attaque, mais au secours! Wouhouhouhouhou! Il se passe quoi là? Allez! Et là, c'est le moment de tout donner. D'abord, on charge avec ça. Et ensuite, on fait l'attaque chargée. Dès qu'on est à 1,4, on va dire, on va essayer. Ouais, j'y arrive pas. Donc faisons plutôt directement ça. Voilà. Ça va, 2 millions. Allez. Oh, les patterns sont en plus cool. C'est ça qui tue, c'est que c'est un combat de géant et tout ça, et c'est en plus cool. Alors que ça aurait juste pu être flemmard et ça l'est pas du tout. Et pour les gens qui se posent la question, je mâche pas les boutons par contre. Il y a quand même un peu une notion de combo et d'esquive importante. Allez, bourre-moi tout ça avant qu'il lance sa charge. On attend le méga atomium quand même. Je sais pas s'il aura lieu. Il est tombé. Ok. Ah. Oh punaise. Et là c'est parti. Ah mince, on arrive sur la phrase musicale qui tue. Allez, ne tue pas.
maintenant, Joshua. Putain, on s'en rappellera. La vache. C'est bon, c'est fini là ou comment ça se passe? I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. The Mother Crystal. It's collapsing.
Right. We need to leave. No. Wait. I owe him a debt. Fine. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoon's answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. We're hearing reports of rebel madness is this, Theon. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. The city can wait. Don't dally, man! Go, Your Radiance! By the light, Dion, have you taken leave of your senses? Call off the dragoons at once. Fear not, the populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Sanbrek. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne. But cut his strings, and the Master loses her power! What? Dion, you bear steel before your Emperor? Guards! Take him! For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the Mother Crystals crumble one by one, and the Blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their Emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the Twins for himself! Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build! Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valestia for me, brother. Dion.
father. Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. You cannot stay here, Mother. Come. Take my hand. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me! Mother. Together. Consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others. Then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. Primogenesis shall a new age of reason begin. Relax, Your Majesty. Don't you want to play? It's been a long time. If that is your wish. Men, you are as meek as all the others. Such feeble creatures.
gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. The Sons of Fire were united at last, and for but a moment, their flame burned bright. Soon, Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Muthos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew. And so we bid you. Find Muthos, and sever everyone. To destroy that which has no physical form, you ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Muthos, and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. Mother.